peut pas plaire Dieu. Et avec la foi, on peut plaire Dieu. C'est par la foi que ces gens ici ont fait des grandes choses. Et nous aussi, aujourd'hui, quand on écoute les messages de la foi, quand on écoute la parole de Dieu, on est amené à mesure de faire les choses qu'ils ont fait par leur foi. Parce que la parole de la foi amène la foi. Et par la foi, on obtient des promesses. Parce que comment est-ce qu'on peut croire en Dieu? Comment est-ce qu'on a on peut croire et avoir la foi en Dieu? Il est nécessaire pour nous de comprendre d'abord que Dieu est bon. Il est nécessaire pour nous de comprendre, comme on a vu dans Genèse 1, que Dieu a créé l'homme à son image, que Dieu aime l'homme. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime son peuple. Dieu aime ses enfants. Alors, quand on comprend que Dieu est amour, Dieu aime ses enfants, que Dieu avait créé l'homme à son image, et que toute autre image qui est contraire à l'image de Dieu dans la vie d'un homme ne peut pas rester, n'a pas la force de rester. Mais non, quand on écoute la parole de la lumière, la parole que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous amener, c'est toute image que l'homme a en lui, qui est contraire à l'image de Dieu, l'image la fuit. La parole de Dieu chasse cette image. C'est pourquoi on voit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner, quand le Seigneur Jésus-Christ enseignait dans les tables, il se mettait et parlait de la parole de Dieu. Et tous les gens, ceux qui étaient boiteux, ceux qui étaient aveugles, ceux qui étaient, qui avaient des différentes sortes de maladies, ils se mettaient debout et la maladie fuyait. Jésus-Christ, quand il est venu, parce qu'il est venu ramener cette image de l'homme fort, d'une femme forte, dans la vie des enfants de Dieu, il s'est mis à guérir tous les malades. Il est venu à ressusciter tous les gens qui mouraient avant leur âge. Quand le Seigneur venait sur le terrain, quand il était amené sur le stage, il les ramenait à la vie. Tous ceux qui étaient boiteux, tous ceux qui étaient aveugles, ils venaient vers le Seigneur et disaient, ô fils de David, aie pitié de nous. Le Seigneur chassait toutes sortes de démons pour ramener l'homme à sa première position.